Kylian Mbappé est sorti quatrième au vote du brassard de capitana du PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de ce capitana. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Kylian Mbappé est sorti quatrième, les gars, quatrième au vote du capitana. Et pour moi, ça en dit tout. Ça en dit tout. Kylian n'est pas sorti deuxième. Il n'est pas sorti troisième. Mais il sort quatrième. Ça signifie que même le vestiaire en a marre de Kylian. Même le vestiaire du PSG en a marre de Kylian Mbappé. C'est inadmissible que chaque saison, on parle de toi. On parle de toi. On parle de toi. Tu mets le club dans l'impasse. Tu ne sais pas trop ce que tu veux toi-même. Franchement, même tes coéquipiers, à un certain moment, ils ont le droit de s'agacer. Ils ont le droit de s'agacer. Donc, franchement, Kylian Mbappé doit se remettre en question parce que son comportement commence déjà à déranger plus d'un. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que l'histoire du capitana va bousiller la saison du PSG? Que ça va pourrir la saison du PSG, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.